Bonjour à toutes, bienvenue à Cuisine La Case sur TV Saint-Leu. Aujourd'hui, je vous présente un bœuf carotte pomme de terre. Alors, pour mon bœuf carotte pomme de terre, il faut 3 oignons qui est émincés. Il faudra des pommes de terre coupées en morceaux avec des carottes, qui sera à peu près l'équivalent du bœuf, qui est d'un kilo. Donc le bœuf, comme on l'a émincé aussi en morceaux. Il faudra aussi, moi je prépare aussi du thym. Il faudra aussi de l'ail, on a pris 10 gousses d'ail, préparé avec du sel, du poivre, avec 4 feuilles de caloupilé, avec 2 morceaux de gingembre et 5 clous de girofle. Il faudra aussi des tomates. Bon, on a pris 3 tomates que cette fois j'ai plutôt mixées. Il faudra aussi bien sûr un peu de safran. Hein. Voilà. Donc on va mettre en cuisson notre bœuf dans un premier temps. Alors dans un premier temps j'ai mis un petit peu d'huile au fond de ma marmite. J'en mets pas beaucoup parce qu'en fait le bœuf je voudrais... il va rendre beaucoup d'eau. Je vais mettre un peu de sel aussi au fond avec mon bœuf. Alors on va mettre un peu de sel et on va mettre du thym. Alors moi je fais toujours griller le sel et le thym et je mets aussitôt mon bœuf. On va laisser rendre un peu le bœuf. Il fera un peu de jus avant que je mette de l'huile. 3 cuillères à soupe d'huile à peu près pour le bœuf. Donc on va le laisser rendre un petit peu, tuer, on va le laisser tuer. Bon, on laisse un peu le bœuf tuer un peu plus. La viande rend toujours un peu d'eau, donc pour éviter que ça fasse de la mousse lors de la friture de mon bœuf. Voilà, maintenant je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Et on va laisser frire notre bœuf. On va le laisser bien frire. Hein. Il commence à déjà prendre des couleurs. Là, on va attendre encore un peu, hein, qu'il soit bien grillé. Voilà, donc la viande, elle est pratiquement prête. Elle a bien grillé, elle a bien pris ses couleurs. On entend bien les crépitements en même temps. Il nous prouve que notre viande, ben, elle est en train de bien frire. Alors du coup, je vais rajouter mes oignons. On va faire revenir les oignons dans la viande. On va laisser prendre aussi les couleurs. Là, il faudra bien sûr tourner régulièrement parce que sinon ça risque de, les oignons risquent de coller au fond. Voilà,
préparer un beau panier. Nous irons tout ce qui est. Voilà, maintenant revenir un peu. Toujours son sourire en neuf au droit. Mais ton frère m'a dit déjà 100 fois que la magie de qui n'est pas pour moi. Ma fleur, la suite n'est pas terminée. Pour la suite, tout coup s'est approché. Depuis la garçonne de Chimier, nous rentrerons avant la nuit tombée. Retenez-moi tous un bel endroit. Nous nous pourrons jouer au bout du coin. Et quand le grenier croit, croit. La belle, dis-moi, je ne suis pas là. Voilà, donc les oignons, ils ont pris les couleurs. Je vais pouvoir rajouter tout de suite ma petite préparation que j'ai écrasée. Bien mélanger le tout. On va laisser quelques petites minutes avant d'y incorporer les tomates. Bien mélanger. Voilà, avant d'y mettre les tomates, je vais mettre un peu de curcuma. Demi-cuillère, ce sera pas mal. Lui donner encore des couleurs et lui donner un peu de goût supplémentaire. Voilà, maintenant je vais pouvoir incorporer mes tomates. Donc j'ai pris trois grosses tomates hein, que j'ai mixées. Vous pouvez aussi les mettre en morceaux, c'est pas un souci. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser légèrement le feu, au maximum, et on va laisser mijoter enfin, sur un feu quand même assez fort. Là, du coup, je vais le mettre à 7 et je vais le couvrir pour qu'il prenne bien, que le bœuf prenne bien le goût de tous ces épices qu'on a incorporées avant d'y mettre les pommes de terre et les carottes. Donc en fait maintenant que notre préparation est prête, hein, on a laissé cuire ouais, 8 minutes à peu près hein, avec les épices, on va pouvoir y rajouter nos pommes de terre et nos carottes coupées en morceaux. On va les mélanger. Pour qu'ils puissent s'imprégner un peu de la sauce. Avant d'y rajouter un pot d'eau, bien sûr, parce que sinon, ça va brûler. Thank you.
rajouter un peu d'eau, pas trop quand même. Voilà, donc on va rajouter un petit peu d'eau quand même parce que la cuisson va être d'une heure minimum. Donc après une heure on va vérifier la cuisson, mais on va rajouter encore un petit peu d'eau pour éviter que pendant une heure ça sèche. Bien que les patates, les pommes de terre là, et les carottes prennent bien l'eau, donc voilà, maintenant on va laisser cuire une heure, et puis on vérifiera la cuisson et on va diminuer bien sûr le feu. Là du coup on va le mettre à 6 sur un feu comme celui-là. À tout à l'heure. Voilà, donc maintenant on va vérifier hein, au bout d'une heure la cuisson, si elle est bonne ou pas. Et savoir si l'eau n'a pas trop séché non plus, hein, parce que sinon on risque de brûler le curry. Apparemment, ça a l'air d'être très bon. Hein, le curry est crémeux. On va vérifier la cuisson avec une fourchette. Déjà au niveau de la viande. Moi je vais devoir mettre mes lunettes. Alors, la cuisson. Bon, la fourchette elle se plante bien dans la viande, il n'y a pas de problème. Dans la pomme de terre aussi. Et dans la carotte aussi. Donc en fait tout est bien cuit. Je pense que maintenant on va devoir passer à la dégustation de ce plat qui semble être merveilleux. Eh bien je vous souhaite un très bon appétit et puis je vous dis à très bientôt pour une autre cuisson.